Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h au sommaire de l'actualité. À l'instar du monde musulman et la capitale, les régions de l'intérieur ont célébré la fête de l'Aïd al-Adha. Également dans l'actualité, les déplacés de Boko Haram et l'illusion du retour, ça s'est passé au Nigeria. C'était les sommaires, bienvenue sur Télé Djibouti. À l'instar du monde musulman et le pays, la région de Tajora a célébré hier en joie la fête de l'Aïd al-Adha. La prière donc de l'Aïd al-Adha avec une ambiance très festive. Tôt le matin du mardi, les fidèles musulmans de la ville blanche se sont rendus massivement à la grande donc prière. Cette prière a été dirigée par le cheikh Hamad Barkhane. Après donc la prière, la préfecture de la ville blanche a organisé une réception officielle en présence de nombreux invités. Cette réception donc a été dirigée par le préfet adjoint Habib Gilani et le président du conseil régional. Dans une interview accordée à notre télévision, le préfet adjoint de la ville blanche donc a adressé ses meilleurs voeux à l'ensemble de la Ouma, en particulier les Djiboutiens, et ainsi que le président de la République et la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, et les membres du gouvernement. Eh bien, à l'occasion de l'Aïd al-Adha, la population de la ville blanche, surtout les jeunes, étaient très joyeux à cette occasion. Ils ont profité donc des aires de jeu montées pour l'occasion. Le président donc du conseil régional Omar Hussein a souhaité donc bonne fête de l'Aïd à l'ensemble des Tajoriens et ainsi que le peuple djiboutien tout entier. Il a également adressé ses meilleurs voeux de santé et de bonheur au président de la République et à la première dame ainsi que les membres du gouvernement. La région de l'unité d'Iki a célébré également avec faste dans la joie et la ferveur religieuse la fête de l'Aïd al-Adha de l'année 2018. La plus grande fête islamique qui rassemble chaque année des millions de pèlerins à la Mecque pour accomplir le devoir du cinquième pilier de la religion musulmane. Tôt hier matin, les fidèles d'Ikilois se sont dirigés vers le lieu de prière habituel de Cheikh Mandetou à Dikil. Tous vêtus de vêtements déshabillés et de fêtes, les familles entières avec les femmes et les enfants au carrois et ceux venus des localités avoisinantes ont convergé vers Cheikh Mandetou. En invoquant Allahu Akbar, puis l'imam guide les fidèles pour la prière de l'Aïd al-Adha. Cette prière collective donc, a vu la participation du préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Aray, les parlementaires de la ville blanche, en l'occurrence Mohamed Adan Roumane. Cette prière a été dirigée par le cheikh de la région de l'unité, en l'occurrence le cheikh Gonia Ali. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله اللطيف الرحيم البر الكريم، له الحمد على خيره العميم، والصلاة على عبده العظيم. Après donc avoir accompli cette prière collective de l'Aïd al-Adha sur la grande place de Manditou, l'ensemble des 10 Kilois, tout âge confondu et toute catégorie sociale, ont pris la direction de la préfecture pour participer à une réception offerte par le préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan. L'ambiance était joyeuse en cette journée de fête et de pardon. Dès l'arrivée, le préfet de Dikil, Mohamed Cheikhou, a accueilli tous les invités qu'il a souhaité bonne fête de l'Aïd al-Adha. Après la ville blanche et la ville de l'unité, direction la région d'Ali Sabié où les Assadjouk ont célébré hier en joie la fête de l'Aïd al-Adha, la grande fête religieuse islamique commémorant le sacrifice du mouton du prophète al-Islam Ibrahim. La prière de l'Aïd, donc tôt le matin, les fidèles musulmans de la ville Assadjouk se sont rendus massivement dans les mosquées et ce malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville dans la soirée du lundi. Cette prière collective a vu la participation du préfet de la région d'Ali Sabié, Mohamed Wabri Assoué, le ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, originaire de la région, le vice-président du conseil régional, mais également le colonel Abdelwassa Ben Mohamed, chef de corps de l'armée Bias d'Ali Sabié, ainsi que plusieurs autres dignitaires religieux et hauts responsables de la société civile de la région d'Ali Sabié. Suite à cette prière collective de l'Aïd, le préfet de la région d'Ali Sabié, Mohamed Wabri Assoué, a organisé donc, comme à l'accoutumée, une réception dans la résidence du préfet à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Les hauts dignitaires religieux et aux responsables de la société civile et militaire de la région d'Ali Sabié ont participé à cette réception offerte par le préfet de la région où il a notamment présenté ses meilleurs vœux de bonne fête au président de la République ainsi que la première dame et présidente de l'UNFD, mais également à toute la population, mais également les Assadjouk qui sont donc venus nombreux pour partager dans la communion ce repas offert par le préfet de la région. Ambiance similaire également dans la région d'Arta où les fidèles Artaoui n'ont pas manqué de célébrer l'Aïd al-Kabir en grand pompe.
En effet, tous les fidèles se sont rendus tôt hier matin vers le site aménagé pour la prière collective de l'Aïd al-Adha. La prière collective a vu la participation du préfet de la région, Abdelahi Del Al-Oukiye, du président du conseil régional d'Arta et de nombreux invités et aux dignitaires de la région Arta. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن يومكم هذا يوم الحج الأكبر، هو عيد الأضحى، هو عيد النحر. أيها المسلمون. Après la prière collective, s'ensuit une réception donc organisée par le préfet de la région d'Arta, Abdelhadi Al-Oukiye. Cette réception donc a convié plusieurs personnalités de la région, en l'occurrence les autorités de la région ainsi que les chefs religieux et coutumiers ont participé donc activement à cette réception. Et en dernier, nous vous emmenons la région d'Obok qui a célébré également hier en joie la fête de l'Aïd al-Adha. Ambiance festive, la prière de l'Aïd al-Adha donc a été organisée à la place de l'Indépendance hier à Obok. Eh bien, la prière a été dirigée par le cheikh Awalo. La prière a vu la participation de tous les acteurs actifs de la région d'Obok, les officiels régionaux. L'Aïd al-Adha, communément appelé Eid al-Kabir, donc marque chaque année la fin du pèlerinage à la Mecque et a lieu le 10 du mois de l'Hijja après le passage des pèlerins au mont Arafat. La prière collective, les Obokois ont été conviés à la réception offerte par le préfet de la région Hassan Dabalé. Plusieurs personnalités donc ont participé à cette réception, en l'occurrence les hauts dignitaires et coutumiers de la région Hayou, les jeunes, les responsables régionaux ont donc participé à cette réception officielle en présence de nombreux invités.
direction l'Arabie Saoudite où quelques 2,5 millions de fidèles en pèlerinage à la Mecque ont entamé les rituels de lapidation de Satan au premier jour de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice célébrée par les musulmans du monde entier. Les pèlerins djiboutiens scandant Allahu Akbar, Dieu est plus grand, avançaient donc par vagues successives sous l'œil vigilant des forces de sécurité pour jeter des cailloux sur la grande stèle symbolisant Satan dans la vallée de Mina près de la Mecque. والنعمة لك والملك لا شريك لك. Une pluie de cailloux s'abattait sur la stèle vers laquelle convergeaient les fidèles djiboutiens dont le mouvement est contrôlé par des milliers de policiers et d'agents de la défense civile ainsi que par des caméras de surveillance mises en place par les autorités saoudiennes pour prévenir toute bousculade. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Retour au pays avec ce fait divers où un accident mortel de la circulation routière s'est produit à la descente du lieu dit Inadirid. Ahmed Hamad est avec nous pour nous donner plus amples explications. Ahmed, dans la journée d'hier vers 11h du matin, cet accident de la route, on déplore donc 3 victimes. Une personne blessée. Il s'agit effectivement, Ali, d'un véhicule de marque donc Nissan Patrol qui avait à son bord 4 passagers, y compris le conducteur en provenance du PK-51 et se dirigeant vers Djibouti. Arrivé donc à la descente du lieu dit Inadirir, le conducteur perd le contrôle de son véhicule et quitte la chaussée vers la droite donc de son sens de marche en effectuant plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur ses 4 roues. Les 4 passagers ont été donc éjectés du véhicule pour défaut de port de la ceinture de sécurité. Cet accident, Ali, donc, a coûté la vie à 3 personnes, y compris le conducteur, une personne blessée donc grièvement qui a été évacuée vers l'hôpital Pelletier par l'ambulance du SMIR. Les opérations donc ont été assurées par les gendarmes de la brigade de sécurité routière du PK-12. Le haut commandement de la gendarmerie nationale rappelle donc aux automobilistes que la vitesse donc excessive est la cause principale des accidents mortels survenant sur nos routes en dehors des zones urbaines. En ce sens, Ali, la gendarmerie nationale demande donc aux usagers de respecter la vitesse autorisée de 80 km/h hors agglomération, d'attacher donc la ceinture de sécurité en vue de préserver leur vie et celle des autres, de ne pas doubler les gros camions à tout va et surtout de ne pas utiliser donc leur téléphone portable au volant. Il y va de leur survie. Et de là donc, nous passons à ce qui fait la une hors de nos frontières avec toujours Ahmed Hamad. Ahmed, nous le disions en titre, au Nigeria, les déplacés de Boko Haram et l'illusion du retour, ça se passe à 6 mois de la présidentielle dans ce pays. En effet, Ali, donc, Abba Zakari, 41 ans, est arrivé donc à Pulka, dans le nord-est du Nigeria, il y a quelques semaines avec femmes et enfants, comme des milliers d'autres victimes de Boko Haram. Cet ancien cultivateur donc qui espérait rentrer chez lui après des années d'errance est passé d'un compte déplacé à un autre. À l'approche donc des élections générales prévues en février 2019, le gouvernement nigérian et les autorités du Borno, l'état le plus touché par les violences, encouragent et facilitent à grand renfort de matraquages médiatiques le retour de ces déplacés. Élu en 2015, Ali, sur la promesse de vaincre Boko Haram, le président Muhammadu Buhari, qui espère briguer un second mandat, a assuré récemment que le nord-est était en phase de stabilisation post-conflit. Pulka est une ville donc garnison en entouré de profondes tranchées conçues sur un modèle repliqué à l'infini dans la région avec sa base militaire, ses camps déplacés sous perfusion de l'aide humanitaire internationale.
et l'Europe enregistre une épidémie record, 45 000 cas de rougeole. Ahmad, ont été recensés pour ce premier semestre 2018, une situation qui inquiète mais qui n'étonne pas les spécialistes de la santé. En effet donc Ali, en 2010, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, espérait éradiquer la rougeole de la planète. Mais contrairement aux objectifs prévus, la situation s'est aggravée. La rougeole n'est pas une maladie, elle est très contagieuse et parfois mortelle. Et elle fait son grand retour en Europe. L'OMS avait enregistré un peu plus de 5000 cas il y a 2 ans. On en est déjà à 41 000 cas pour ce premier semestre 2018, avec 37 morts, dont 3 en France. Du jamais vu, Ali, donc depuis 10 ans. Et c'est en Ukraine qu'on a recensé plus de la moitié des cas, plus de 23 000 depuis le début de l'année. 14 décès ont été déclarés également en Serbie. Et nous terminons avec cette information. Le géant réseaux sociaux Facebook ferme des comptes en provenance d'Iran et de la Russie. Donc c'est une annonce qui a été faite hier et qui avait mis fin donc à des opérations de manipulation de grande envergure initiées donc en Iran et en Russie, et ayant pour cible l'Amérique latine, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Moyen-Orient. Le réseau social a ainsi fermé 652 pages, groupes et comptes inauthentiques. Les services de renseignement américains donc avait révélé, Ali, que des opérations russes s'étaient servies entre autres de Facebook pour tenter d'influer sur l'élection qui a mené Donald Trump à la Maison Blanche. Moscou a toujours réfuté ces accusations. Et à l'approche des élections législatives de novembre aux États-Unis, les autorités ont indiqué que les opérations d'ingérence russe avaient repris de plus belle. L'annonce de cette nouvelle vague de fermeture de comptes inauthentiques qui fait suite à une annonce similaire donc du groupe de Mark Zuckerberg le 31 juillet dernier, intervient, Ali, au lendemain des révélations du géant informatique Microsoft sur l'étendue des opérations d'ingérence du gouvernement russe aux États-Unis. Merci Ahmad Hamad pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé-Djibouti.